Allez, à tout le monde, c'est Taz Récupération. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 584 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, les amis, je vais très bien. Si vous attendez un petit peu mon ventilo, les amis, c'est un petit peu normal. Je suis en train de mourir de chaud. Honnêtement, chez moi, je comprends pas, il fait 25 degrés. Et chez moi, dans ma pièce à moi, je pensais que c'était... moins pire que, que l'endroit où je vivais avant. Finalement non, c'est l'inverse. C'est un four. Voilà, je vous le dis, là j'ai l'impression que j'ai pas de thermomètre à côté de moi. D'habitude je l'ai toujours à côté. Enfin, j'en ai un qui me sert pour les serpents et tout. Enfin qui sert en tout cas pour mon frère pour les serpents. Mais là, what the fuck, j'ai l'impression qu'il fait au moins 30-35 degrés. Honnêtement, si je dis pas de conneries, j'ai vraiment cette sensation de 30-35 degrés, donc je suis en train de couler, voilà. Donc je suis obligé de mettre le ventilo, les amis, pour éviter tout problème, sinon. Et donc du coup, bah, les amis, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on s'était tout simplement attaqué à la lune de sang, si je dis pas de conneries, dans lequel on avait tout simplement terminé la lune de sang du domaine Zora, avec du coup la Mipha, la princesse Zora, à mode normal. Donc voilà, on avait fait ça dans l'épisode précédent. Et donc aujourd'hui, ben, on va s'attaquer à notre prochain scénario en X. Alors il me semble qu'on avait déjà fait ça, donc on va pouvoir s'attaquer à la c'est ça, ouais, normal. Donc logiquement, on va pouvoir s'attaquer à X, libération du laboratoire. Donc, alors on peut contrôler deux persos. Je crois que j'avais dit que je contrôlerais peut-être Proua et je sais plus qui d'autre. Et le gardien aguerri, si je dis pas de conneries. Donc si je me souviens bien. Donc on va contrôler Proua et le gardien aguerri. Alors c'est bien gentil, mais on va juste, avant de faire quoi que ce soit, attendez, ça c'est plus 5, ça c'est plus 5, ok. Non, c'est meilleur ça. Mais je veux juste voir, est-ce que j'ai un truc. C'est les chiens qui aboient, les amis, ils sont très chiants. Attaque coup fatal, attaque enfonçant, attaque projection en l'air. Ça servira à rien. Dégâts infligés par les attaques enfonçant, ça peut être bien. Je suis désolé, les amis, hein. Je suis vraiment désolé. Hop, voilà. Hop. Alors, du coup, on va pouvoir faire ça. Bon, on est bientôt niveau 20 ici, ok. Et du coup, le gardien guéri. Ça c'est quoi, c'est plus 10. Ah, c'est plus 15. Donc en fait, ça c'est limite mieux. Ah ouais, c'est limite mieux, d'accord, parce que 110 c'est plus 5. Donc ça fait 119. Donc ça fait 100, ben ça fait plus 15, ça fait ben 130 et quelques, quoi. 134. Donc c'est, en fait, c'est même mieux. Ouais, on va s'équiper de ça. Et on va interchanger. Alors portée d'attaque, c'est bien, parce que de toute façon la portée, ça peut être bien avec le gardien aguerri, donc voilà. Alors certes, on aura un poil moins d'attaque pour le moment, parce que il nous manquera 10 trucs, mais on va le garder, hein, je vous le dis. Je vous le dis, on va le garder. Voilà. Et on va juste améliorer celui-là. Voilà, histoire 2. Et comme ça, au moins, on pourra le... Alors, on peut le reforger au max déjà, on va déjà le faire, comme ça, au moins, c'est fait. Tac. Ouais, désolé, je prends du temps. Ça, voilà, je prends du temps, hein, sorry, mais trop de mobline. Et ensuite ça. Merci. Normalement, c'est bon. Allez, du coup, on va pouvoir y aller. Ah, c'est rien, attendez. J'attends des choses, donc c'est pour ça que... Ok, pour le moment, non. Alors, libération du laboratoire. Je suis désolé, les amis, hein, vraiment, je suis navré. Le chien est très chiant derrière. Suite à la résurrection, alors libération du laboratoire. Suite à la résurrection du fléau, les monstres ont poussé leur attaque jusqu'à dans le laboratoire antique royal, fonçant les chercheurs à fuir. Urbosa, Riju et leurs soldats, Gerudos se mettent en route pour libérer le laboratoire. Donc les amis, ben voilà, on va y aller en mode normal, hein, donc on va pas changer nos habitudes. Alors du coup, évidemment, la lune de sang qu'on attend, elle n'est pas ici, hein, évidemment, vous en doutez. Elle est ici, que ce soit en mode facile ou normal, donc il faudra attendre. Donc c'est parti. Attendez, je suis désolé les amis, j'arrive. Me revoilà, c'est bon les amis. Le souci pour le moment est peut-être réglé. Donc notre cher, évidemment, Proua et Pharas. Et on va tout simplement mettre
le gardien aguerri. Donc c'est bien, ils vont passer un niveau en plus directement. Donc chacun des persos. Donc écoutez, bon, on se souvient, éliminer l'ennemi, obtenir 4B, éliminer le grand Koga et avec Ryu. Bon bah écoutez, hein, on est parti, hein, on y va directement, on va explorer le souvenir. Alors du coup, vu qu'il y a deux épisodes cette semaine, hein, il y aura un autre épisode du coup. Sachant que je vous parlerai à la fin de l'épisode 585. Voilà, le laboratoire antique royal fut envahi par les monstres. Les chercheurs n'eurent d'autre alternative que de fuir. À la tête de leurs soldats, Urbosa et Ryu se mirent en route pour libérer ce temple du savoir. Tout en affrontant des monstres portant des armes qu'ils avaient volées dans le laboratoire, les guerrières d'élite des Gerudo avançaient dans la vallée du néant. Mais les monstres n'étaient pas les seuls à les attendre. Et c'est parti! Alors, du coup... Oh putain, j'avais oublié que c'était aussi grand. Oh putain. Alors, je connais la map, hein, évidemment, vu que c'est le laboratoire de base dans le deuxième scénario, mais... J'avais vraiment oublié que c'était aussi grand. Je vous le dis. Hein. Bombe à distance activée. Voilà. Merci. Tac. Alors, on risque de passer un niveau, je vous le dis ici. En tout cas. Voilà, merci. Sachant qu'il faut aider les capitaines qu'il y a. Le moment est venu. Voilà. Allez, Proie et Pharas, allez là. Et nous, le gardien guéri, évidemment. Que j'aime beaucoup, hein. C'est un perso, vraiment. Je l'aurais pas pris de base. Hein. Bah, il y a tous les persos que j'aime, honnêtement. Il n'y en a pas un que j'aime moins que d'autres, pour l'unique et bonne raison que, en fait, ils ont tous une palette d'attaques différentes. Alors, c'est vrai que, à contrôler, c'est un peu... C'est vraiment bien différent. Honnêtement, on pourra pas comparer ça à Smash Bros. Mais en fait, vraiment, ça a une palette d'attaques bien différente. Et honnêtement, je trouve ça trop bien. C'est mort. Le sorcier Blizzero. Voilà. Tac. On y va. Non. Voilà, en fait, j'ai oublié totalement comment jouer. En même temps, j'ai pas fait de... Ah oui, du coup, oui, j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment de ce jeu. Les amis, parce que la semaine dernière, souvenez-vous, c'était un planning à thème Mario. Eh oui. Donc, du coup, effectivement, je vais peut-être perdre un petit peu de notion de certaines choses. Hein, mais bon, ça va revenir. Hein, c'est juste histoire de, à mon avis, de un ou deux épisodes, le temps que ça revienne. Allez, vise-le. Allez. Niveau supérieur. Merci. C'est vraiment une attaque cheatée, hein. J'ai juré. C'est moi ? Alors, le gardien aguerri qui va rester là. Et nous, avec Croix et Pharas, ben, on va aller en bas, hein. Alors du coup alors on y va. Ouais, quand on a des rubis à se faire aussi, on n'hésite pas. Tac. Hop, voilà, on va faire ça comme ça. Hey, c'était instant, hein. Ça marche ouf, cette technique, j'ai juré. Alors, on est bientôt niveau 76. Tac. Mystère de Bokoblin. Allez, voilà. Et toi là-bas. Et toi là-bas. Ok. Non.
Ah, évidemment, il est pas dans le truc. Ah! Fucking black. T'es mort. T'es mort. Ah oui, vraiment. Eh ben voilà. La victoire est à moi. La victoire est à moi. Oh, le mobile noir. C'est quoi? Là, on va faire mal, c'est moi qui vous le dis. Ah oui. Ah oui, totalement. What the fuck, ça a fait baisser la jauge de coups point faible. Mais d'une violence que rare on peut imaginer. Les alphas noirs. Mais c'est pas ce moment. Allez, on y a. Attendez, les amis, il y a un problème à la porte. Alors, me revoilà, les amis. Ça va être un épisode compliqué aujourd'hui. Hein. Ça va être un épisode très compliqué. Oh, putain, je sais pourquoi. Les amis. Re tout le monde, je suis redésolé les amis. Voilà, là j'ai dû faire les litières un petit peu des chats. Enfin, j'ai dû les remplir parce que un de mes chats voulait y aller. Donc, ben vous comprenez. J'ai dû courir de ouf. Je suis désolé de cet épisode un peu catastrophique avec pas mal d'ellipses pas du tout volontaires. Tac. Il y a des épisodes comme ça où c'est chiant. Alors du coup. C'est fini. Tac. Merci. On va quand même tenter de. On va quand même tenter de ratisser toute la zone, hein, en termes d'ennemis. Alors du coup, on va dire qu'on va cesser à 25 minutes, hein, avec le nombre d'ellipses et tout. Hop. Merci. Salut les Bokoblins argentés. Là, on attaque de vrais Bokoblins, là. Hey. Voilà. Tac. Alors, c'est dangereux. Merci. Alors, niveau 76, du coup, ça fait plaisir. Allez, on y va là. Voilà, on va au cas où tenter de. Alors, on va au cas où tenter de. Ouais, de prendre l'avant-poste et puis après on ira à gauche. Salut. Ah, non. Retour à l'envoyeur. Hey. T'es mort. Oui, c'est lui. Voilà. Alors du coup, on va partir de ce côté. Ouais, on va vraiment stériliser la zone, on va dire. On va vraiment tout niquer. Envole-toi. Nanana. Oh là là, je jure, j'ai le chat qui est. Les chats qui sont ultra chants aujourd'hui. C'est une dinguerie. Ben tu attends ma fille. C'est comme ça. Au bout d'un moment, je vais pas faire 50 ellipses, hein. Ah, thank you. Merci.
c'est bon, ma mère lui a ouvert. Super. Maman, c'est une pupute, hein, j'ai juré. Hein. Oh là là, je jure. Madame, elle me voit filmer. Alors, là. Oh oui, oh oui. Vas-y, vas-y, ne te place pas. Oh, oh, oh. Oh, what the fuck. Oh, what the fuck. Allez, 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 allez. Et boum. Et voilà, ça c'est mort déjà. On va s'arrêter dans 5 minutes. Comme ça au moins ça me laisse. Même si on dépasse un peu, c'est pas grave de toute façon. Et ici ça se fera en plusieurs épisodes. Enfin en tout cas en 2 minimum. La petite B. D'accord. En fait, je voulais voir si est-ce qu'ils avaient. Je sais pas si on pouvait leur prendre leur lance là, la con. Super quoi. Se faire baiser la gueule pour rien. Ouais. Tac. Allez-vous. Merci. Carotte tempo. Bon, bah écoutez, au moins on va rester là avec elle. Ouais, là. Et nous, avec le gardien aguerri, le sorcier bras zéro. Oh le bâtard. Ok, 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 ok. Oh, tu m'as gonflé. Ah, il m'a gonflé. Oh, au bout d'un moment. Casse les burns, hein, je vous jure. Casse les couilles. Alors évidemment, il y a toujours un bon goblin avec un citron. Bon, maintenant. Ah, le gang des Igas. J'avais oublié ce léger détail. Oh, vous savez quoi, on a du tout total, on va pas s'emmerder. Hein. On va pas s'emmerder. Tac. Éliminer le grand Koga. Pourquoi pas. Mais ça débloque pas les zones? Parce que si on élimine le grand Koga, c'est à la fin, non? Je sais pas. Non, pas du tout. Bon, bah, tu sais quoi, on y va. Allez, vous! Tac. Nope! Hey, hey. Oh le bâtard! Le bâtard! Non, 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 non! Oh, fuck you! Oh my god! En fait, il a une trop grosse hitbox, le grand Gok. Enfin, le gardien aguerri. Merci. C'est bon. Je pense pas qu'il sera mort là, mais au moins. Ah si! Oh putain! Effectivement, il est mort là. Oh mon dieu, what are you doing? On va aller là, comme ça après on va monter, on va aller là. Je vois pas où ça mène, ça fait... Ah d'accord, ça mène là, j'ai l'impression. Ouais, ça mène là en fait. Ouais, on va aller là, en prio. Ok. Allez-vous. Ah, il y a un linel de foudre. J'ai même pas vu. Ah, j'ai même pas fait attention à tout ce nuage de monstres. Dans ce nuage de monstres, j'ai même pas vu le linel de foudre. Sérieusement. Allez, allez. Il met les monstres qui menacent le laboratoire antique royal. Voilà. La sagesse antique. Boum. Il est mort.
Allez, y va. Alors, l'orage aguerri, thank you. Ah, qui attaque tout le monde. Ok. C'est dangereux. Hey, oh. Tac. Fini de rire. Préparatif terminé. Par ici. Merci. Et du coup, bah logiquement, les amis, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui, hein. Oh putain, il y en a toujours un. Merci. Donc écoutez, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouvera du coup dans l'épisode prochain qui arrivera tout simplement vendredi, les amis, dans lequel on complétera, je pense, on pourra le terminer. Hein. Il reste finalement pas grand-chose, honnêtement, à faire. Donc je pense qu'on pourra peut-être le terminer dans l'épisode prochain. Écoutez, merci de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 584 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Et on se retrouve du coup à vendredi. Pour l'épisode 585, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde, hey, peace.